mois et donc on va essayer de faire une prise de vue au collodion humide et avec la particularité qu'au lieu de prendre une chambre photo, on va transformer une pièce de la maison en chambre noire, en l'occurrence la cuisine qui est derrière cette petite fenêtre là. Et ce qui est super, c'est que cette cuisine n'a qu'une fenêtre. Donc on va obturer la fenêtre avec un tissu noir étanche à la lumière. On laissera l'optique et alors on pourra aller faire la prise de vue à l'intérieur. Donc sans appareil photo au final, juste avec l'optique et le collodion, tout ce qui concerne les plaques et tout, on ira quand même faire ça au fond du jardin dans le labo, puisque on pourrait faire tout dans la cuisine, mais pour éviter d'en mettre partout et de tout salir, on fera le labo dans le labo. Et donc ici que la prise de vue. J'ai fait une fois déjà une photo comme ça et j'avais appelé la cuisine photographique et je trouvais ça rigolo parce que bon, déjà on transforme une pièce de maison effectivement en appareil photo, mais en plus le collodion humide c'est beaucoup de recettes et donc on fait la cuisine en fait, et du coup je trouvais ça assez intéressant le parallèle entre transformer de la cuisine en appareil photo et en chambre à noir. Donc la maison devient l'appareil photo, c'est ça, et donc ça on peut le faire avec tout en fait. Bon, il suffit de trouver une boîte, c'est le principe un peu du sténopé. On prend n'importe quelle boîte, on fait un trou, la lumière rentre et se diffuse en face à l'envers. Donc là on va observer ça, sauf que ça sera amplifié parce qu'il y aura un objectif, une optique. Et donc tu peux jeter un coup d'œil à la cuisine, c'est tout noir mais ça sera encore plus. Donc on fera la prise de vue ici. Tu le vois le banc? Oui. Ouais. Donc le banc il sert à poser le châssis. Donc c'est un chevalet. En fait ce chevalet il va me servir à poser d'abord une plaque pour faire ma mise au point. Une fois qu'on aura fait la mise au point, on remplacera cette plaque par la plaque de verre au collodion qui aura été préparée dans le labo. Et alors on ouvrira l'optique, la lumière rentrera et viendra impressionner la surface sensible. On refermera et après 10 secondes en gros d'exposition, on refermera et on ira développer la plaque dans le labo pour voir ce que ça donne. Et ça, faut pas que ça arrive avec la plaque de verre. Tu peux visiter la cuisine à l'intérieur? Ouais, avec plaisir. Ouais. Donc on est bien dans une cuisine, il y a le cas par le café, les bananes. Et effectivement j'aime bien cette pièce et puis surtout j'en profite parce qu'il est probable que dans l'avenir on casse les murs et que donc cette pièce ne puisse plus être un appareil photo. Et alors que c'est quand même vraiment, pour moi c'est assez extraordinaire de faire ça. Et ça aide vachement, ça aide beaucoup à comprendre comment ça fonctionne, puisque là on va voir l'image qui se projette à l'envers en très grand, en couleur, et effectivement je crois que ça peut être assez pédagogique pour quelqu'un qui ne saurait pas vraiment comment ça fonctionne. Là c'est vraiment le moyen d'expliquer en visuel la chose en fait, le principe de la photo quoi. Donc c'est pour moi je trouve ça vraiment super. Et donc ça, peut-être je peux te montrer ça c'est la fameuse optique qu'on va utiliser. Donc ça c'est assez rare, il y en a eu je crois 1500 de produits, c'est une optique qui date de 1945. Et effectivement quand on fait de la photo en grand format, plus on a une grande focale et plus ça va couvrir un grand cercle d'image. Donc plus on peut faire du grand format, et là pour le coup donc c'est vraiment énorme. Donc ce diaph il ouvre à 9. Et il ferme à 180, donc c'est pareil, c'est complètement hallucinant. Hein. Ça permet d'avoir une très très grande profondeur de champ. Et à 9, alors 9 on peut trouver mieux, comme je te disais tout à l'heure hors caméra, là, mais ça c'est une optique qu'on va trouver pour 500 euros sur eBay, sinon on passe à des prix effectivement beaucoup plus chers, mais voilà, on réduirait le temps de pose. Là, une ouverture à 9, on va avoir un temps de pose de l'ordre de... Là, le soleil est présent, mais peut-être entre 5 et 10 secondes. On pourrait réduire à 2-3 secondes avec une optique un peu plus performante. Mais voilà, ça, c'est un trésor, clairement. Et donc, l'optique, elle va venir se poser devant la fenêtre, exactement ici.
on ferme, que je te montre ce que ça donne. Ouais. Ouais. Ça y est, en gros, la transformation est faite. Et maintenant, si je ferme la porte, hop là, qu'on éteint la lumière, on se retrouve dans un appareil photo. Donc là, on a effectivement la lumière qui est amplifiée par l'optique et qui, du coup, va venir se répercuter bien en face. Hein. Donc là, je suis trop loin par rapport à ma mise au point, mais si je rapproche, hop. On voit qu'on petit à petit on fait la mise au point où on a envie. Donc je vais venir sur les petits fanions là. Voilà, là les fanions sont nets. Et donc on peut passer là, on peut mettre le support dans le sens qu'on veut. Le format de la plaque, là il est à peu près de 30-40. Donc c'est à peu près le format des plaques qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, mais on pourrait prendre beaucoup plus grand et ça fonctionnerait aussi. Et là, ce qui est intéressant en termes de photo, c'est qu'une chambre photographique, ça permet de faire des mouvements de bascule, de décentrement, etc. Et là, on voit bien finalement à quel point on déforme l'image. Donc on peut complètement délirer en fait. Ici, c'est possible, mais c'est aussi possible avec une chambre photographique, ce qui est plus dur avec un appareil photo classique, quoi. Et donc ça s'utilise beaucoup en architecture pour redresser les parallèles en fait. Tu vois ? Je te vois. Ouais. Donc là tu me vois à l'endroit ? Et après, tout à l'heure, on va prendre Louise comme modèle et on la verra à l'envers et je la ferai venir plus près pour faire un plus grand format de son portrait, quoi. Ok. Louise, on va dans le labo. Si tu as encore 5 minutes, puis je viens te chercher. Ça marche? Mais c'est clair que c'est un... quand tu fais une... quelques belles photos d'elle au collodion ou de Salomé, et c'est comme c'est pas évident à faire et que c'est des temps de pose lente, t'es content d'en avoir une belle, quoi. Donc là on va voir aujourd'hui, c'est un peu surprise, donc bienvenue dans l'atelier. Donc on va passer à la suite. La première chose qu'il faut, c'est ça, c'est du nitrate d'argent. Donc le nitrate d'argent, c'est ce qui va rendre les plaques sensibles à la lumière en réaction avec le collodion et les sels qui seront déjà ajoutés dedans. Donc là, il en faut beaucoup. Donc, on va faire quelque chose qui n'est pas tout à fait orthodoxe. Normalement, on sensibilise dans des cuves de type qu'il y a là-haut sur le truc. Et là, on va sensibiliser à plat parce que j'ai pas encore investi dans une cuve très grand format. Mais du coup, c'est une manière... comme une autre devait faire, mais bon, c'est plutôt pour le grand format, quoi. Donc là, le nitrate d'argent, on y fait attention, en gros, c'est 100 € le litre. Donc c'est ce qui coûte le plus cher dans toute cette histoire de collodion humide là, mais par contre ça se garde, c'est-à-dire qu'une fois que on le régénère, on le recharge un peu et on continue. Mais effectivement, pour faire du format encore plus grand, du 60-60, il me faut en gros, dans une cuvette comme ça, il me faut 5 litres. Et quand j'aurai acheté une boîte, il me faudra 9 ou 10 litres, donc c'est-à-dire que rien que t'en as pour 1 000 €, juste de ça, quoi, de bain d'argent. Donc là, le bain d'argent, il est prêt. Et du coup, hop, on va passer à la suite. Donc ça, c'est un collodion tout neuf, un collodion potassium. Donc j'ai fait une photo avec, super, j'étais très content. et on utilisera ensuite un révélateur, qui est tout neuf aussi, là. Donc ça, c'est dans l'idée que quand même, quand c'est neuf, ça marche mieux. Donc on va essayer de faire une belle photo. On va mettre ça sur la plaque de verre, on viendra la sensibiliser et puis on ira jusque la cuisine pour faire la prise de vue. Donc là tu vois, ça va être beau. Là je vais mettre la lumière.
de verre qui a été dont on a cassé les arêtes pour pas que ça coupe, et ensuite qui a été dégraissé avec du vinaigre et du blanc de meudon pour qu'elle soit vraiment le plus propre possible. On la nettoie encore une fois avec un sopalin. Très grande chambre photo, une chambre 60-60. Et en fait là on va s'en servir uniquement pour transporter la plaque qui fait donc 30-40 jusque la cuisine. Et donc comme la plaque elle s'est étanche à la lumière, mais je suis pas tout à fait sûr que ça soit parfait. Et en plus de ça, je viendrai l'emballer dans un autre tissu lui-même hermétique à la lumière, un tissu occultant en fait. Comme ça, on est sûr qu'elle ne prenne pas la lumière entre le labo et la cuisine, ce qui viendrait tout nous foirer. Donc, on peut y aller. Avant de commencer, je réfléchis, j'oublie rien. Tac, 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 il faudrait éteindre là-bas. Non, c'est bon. La plaque du collodion. En fait, on va venir couvrir à peu près tout le support. Il ne faut pas repasser au même endroit, donc il y a un sens. Moi, je pars comme ça. Okay. On va ensuite par là-bas. Tout ça en bas. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, c'est le moment où ça déborde. Donc j'en ai mis trop. Là, par contre, le temps il va commencer à être compté, parce que le collodion humide donc doit se faire tant que tout ça reste humide. Donc là, moi, j'égoutte. Tu peux te rapprocher. Enfin, tu me dis hein, si tu veux. Ouais. Là, pour l'instant, la plaque est presque transparente, et on va voir quand elle va sortir tout à l'heure du bain d'argent, elle sera devenue opaque. Donc il y a une transformation déjà. Ça, c'est un collodion avec des sels de potassium. Il y en existe d'autres. Du lithium notamment, ou du cadmium qui est plus toxique pour la planète. Ok, donc là elle est bien comme ça, donc on va passer à la suite. Je vais éteindre la lumière et on va passer 3 minutes dans le noir. Donc là, je la mets 3 minutes dans le bain d'argent. L'émulsion vers le haut. Minutes, c'est le temps que nécessite le collodion pour être rendu sensible en contact avec le bain d'argent. Donc effectivement 3-4 minutes, mais vraiment de manière historique on est autour de 3 minutes. Et donc là c'est ce qu'on attend en fait. Que j'aime beaucoup. Donc ça c'est la toute dernière, il y a quelques jours là. Et en fait c'est super parce que c'est vraiment la reprise de la saison du collodion là. Avec la chaleur qui revient, avec la lumière qui est un peu plus présente aussi, et ça donne envie de s'y remettre.
Donc ça c'est une photo sur plaque de verre, et ça c'est une photo sur plaque d'alu, pleine de poussière d'ailleurs. Une photo un peu sous-exposée, mais que j'aime bien quand même, puisqu'encore une fois, comme je te disais, c'est mes deux gamines, et c'est pas facile d'avoir les enfants qui ne bougent pas. Donc ça, on a du cyanotype, fait à partir d'un négatif sur verre. Donc on le voit pas là, mais c'est bleu. On voit bien, j'adore les yeux. Là, c'est vraiment un signe du collodion, ça. D'avoir, de capter la ouais, cette puissance. En fait, c'est la seule partie du corps qui brille, comme je t'avais dit. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça, au collodion humide, c'est incroyable. On va faire attention au temps. Donc voilà, la plaque, elle est vraiment devenue opaque, ça y est. Elle est sensible. Suis derrière pour enlever un maximum de nitrate d'argent qui reste sur la plaque de verre, pour deux raisons: parce que encore une fois, tout ce qu'on peut sauver de ce bain, on prend, et parce que ça évite d'abîmer, de pourrir le châssis avec le nitrate d'argent qui est quand même corrosif. Donc là, on a 10 minutes pour faire la photo. Tu t'assois sur la chaise. Ouais. Tu sais, papa, la dernière fois que tu en François, on a fait 2 minutes. 2 minutes? Vas-y donc. Ça, c'est super. Du coup, j'ai fermé les yeux. Bah là, tu peux les garder ouverts. Ok, on va faire quelques secondes. Ok. Donc là, tu peux venir ici, en fait, parce que c'est... Oui, c'est super. Donc là, voilà, je vais éteindre, moi. Et voilà ce que ça donne, du coup. C'est super, hein. Donc là, on va essayer de se caler à la hauteur. Moi, je mets ça sur le okay. T'es bien là, ma belle? Alors, mets ta tête comme il faut, mets ta tête droite. C'est bon pour toi? Alors, bientôt, on va y aller. Je mets la plaque et on y va. Ça va mettre 6-7 secondes. Ok, Maluise, t'es prête? Alors on y va. Je compte jusqu'à 3 et c'est parti. Tu bouges plus du tout. 1, 2, 3. Super, merci beaucoup. Et là, la prise de vue est faite. Ça devrait être pas mal du tout. Parce qu'elle n'a pas bougé d'un poil.
l'atelier à nouveau. Direction l'atelier, oui. Ok, donc là il va falloir maintenant mettre le révélateur. On va mettre le régulateur et on arrêtera la régulation avec de l'eau et seulement ensuite on passera dans le fixateur. Et donc là l'étape la plus dure ça va être maintenant de bien mettre le régulateur de partout pour que ça révèle tout comme il faut. L'image elle commence à monter. Donc, c'est un peu plus long qu'un développement en classique, ce qui veut dire que j'ai un peu sous-exposé moi. Donc, je surdéveloppe pour essayer quand même de récupérer ses yeux là-bas. Allez, c'est bon. Donc là maintenant. J'arrête avec de l'eau. Et je pense qu'on a une super photo en vrai. Moi, je suis trop content. Ok. Donc la suite, c'est le fixateur. Presque à disparaître avant de revenir en fait. Je crois que je viens de faire une des plus belles photos que j'ai jamais faites, je te jure. Ouais. Oh là là, nom de Dieu. Là, tant qu'il y a encore du blanc, elle va rester dans le fixateur. Et une fois que ça sera fini, on passera dans l'eau de rinçage, qui est aussi très important parce que c'est ce qui va permettre de conserver l'image pendant des années. Quoi. Quand on fait des photos au collodion, donc là, moi je me sers pas de. Ça m'arrive, mais là j'ai pas utilisé de cellules. De cellules photographiques pour mesurer la lumière et donc en gros je me fixe un petit peu à ce que j'ai l'habitude et puis donc là j'ai fait à peu près 7-8 secondes de pause. Mais effectivement on a coutume de dire quand on travaille comme ça que la première plaque elle te fait référence, c'est-à-dire que c'est celle sur laquelle tu vas te tromper et après une fois que tu es en place la deuxième, la troisième et la quatrième tu es bon quoi. Et puis des fois la première elle fonctionne et là clairement on est dedans, sachant que ce que je te disais peut-être tout à l'heure mais c'était pendant le révélateur, c'est que normalement un temps de révélation classique on va dire parfait c'est 15 secondes de révélateur et si ton image est exposée correctement tu rinces avec ton eau. Là, moi, j'ai plutôt fait 25 secondes de révélation. Et justement, ça, c'est parce que la photo était sous-exposée. Donc, du coup, pour compenser ça, on surdéveloppe.
Ce qui veut dire que plutôt que de faire 7-8 secondes, il aura plutôt fallu en vrai que je fasse 10 secondes. Mais comme c'est une petite fille, et puis même si c'est pas une petite fille, même si c'est quelqu'un, plus on fait durer et plus on a le risque d'avoir le flou, le clignement des yeux, etc. Donc là, vraiment, pendant 7 secondes, j'ai vu qu'elle n'a pas bougé et j'ai arrêté parce que c'était bien, je savais que ça il y a des chances que ça suffise. Donc là, effectivement, c'est surdéveloppé, mais du coup, ça marche. Ça marche. Donc la suite, c'est un rinçage à l'eau. Donc comme c'est une plaque à laquelle je vais vraiment tenir, on va mettre directement, normalement on rince d'abord à l'eau du robinet et puis ensuite on peut terminer à l'eau déminéralisée. Là je vais même pas m'embêter, je vais faire tout à l'eau déminéralisée et comme ça on élimine encore mieux tout ce qu'il y a dessus et on n'a pas de minéral qui va venir réagir avec la chimie. Donc le fixateur, c'est un peu le même principe que les nitrates d'argent, c'est-à-dire qu'on le garde, on s'en sert longtemps, jusqu'à épuisement, au moment où on voit que ça ne fixe plus, mais ça, je verrai, on peut fixer peut-être selon le format 20 plaques, 30 plaques, facile quoi. Donc c'est pas très coûteux en l'occurrence. Okay. On voit une espèce de, je sais pas si tu vois le négatif du coup. Donc là, elle est toute sale. Elle va avoir besoin d'être nettoyée dans l'eau, justement. Et là, donc la seule chose qu'on peut passer sur la plaque maintenant, c'est du coton. Et ensuite, et c'est là où il faut être le plus précautionneux du monde. On va nettoyer aussi la surface sensible. Ça peut déchirer. Ouais. Alors avec le coton c'est rare, mais effectivement ça peut déchirer. Ouais. Donc là, je vais être en mesure de te montrer ce que ça va donner à peu près. Tant qu'elle n'est pas sèche, elle n'est pas finie, mais on va pouvoir avoir une idée quand même. Hop. Et après, on va changer de côté. Tu vas voir, ça doit être délirant, parce que d'un seul coup, on va avoir vraiment l'image, un ambrotype. Donc ce qu'on vient de faire, là, une photo sur verre en collodion, elle a besoin, concrètement, c'est un négatif sous-développé. Et en fait, pour que ça devienne un positif, on va avoir besoin de mettre le noir derrière. Donc si on change de côté toi et moi, hop, tu vas voir, on va d'un seul coup avoir l'image qui apparaît. Donc là on a un positif qui va être parfait en termes d'exposition en fait. Ok, ouais. Je vais aller la remettre à rincer du coup. Et puis la laisser tranquille dedans un quart d'heure et ensuite un autre quart d'heure. Et puis il ira faire sécher. Hop là. T'as un peu plein de choses que je peux faire en ce moment. Aussi bien effectivement, donc tout ça c'est plein de plaques de verre. Là on est sur la photo numérique de danse là, mais tu as des cyanotypes, donc ça c'est un cyanotype qui est passé dans du thé. Au départ c'est plutôt comme ça. Et après avec les tanins ça devient marron. Là ici, tu as un autre procédé qui s'appelle un anthotype. Donc ça c'est fait avec de la spiruline, les algues, du coup, donc c'est de la photo bio. Pas de chimie du tout, du soleil et des algues. Et là on a la même chose mais en poussée un peu plus loin. Hop là. Donc ça, du chlorophyll print, qui est le même principe que les anthotypes là.
et donc photographie sur feuilles d'arbres, sur végétal en fait, sans chimie aussi, complètement naturel et bio, tout ce qu'on veut. On met la photo, je vais te montrer, j'en ai qui sont en train de travailler là. Et donc ça, je suis très content d'avoir fait ça l'année dernière. Et là, c'est la saison qui recommence, puisqu'on a besoin de soleil. À voir, mais on a bien l'image qui s'est révélée sur l'image, sur la feuille en fait. Ah oui.